J'appelle au secours, j'appelle l'amour, j'appelle dans la nuit, j'appelle dans le bruit. Sans espoir, souvent j'appelle, et sans relâche pourtant, car je sais qu'à chaque instant, il est quelqu'un qui m'appelle, une voix même en silence, en secret une présence, car Dieu lui-même est venu, faible comme un enfant nu, plus fort que toute puissance, et il est au milieu de nous. Amen. Bienvenue à toutes et à tous pour ce culte du souvenir dans cette église Sainte-Agathe et temple de Sombval sur la commune de Sons-Beau-Sombval. Bienvenue à vous qui êtes ici, bienvenue aussi à ceux qui nous rejoignent sur Internet puisque ce culte est diffusé en direct, en streaming sur YouTube. Pour autant que la technique ne nous joue pas un vilain tour, mais ça a l'air de jouer. Culte du souvenir, parce que nous faisons mémoire des personnes du village décédées depuis novembre passé, et parce que la prédication évoquera la réalité de la vie, de la mort, mais aussi l'espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons le privilège d'accueillir le chanteur gospel Tommy Harris, l'organiste Renaud Lagre. Tommy nous interprétera un gospel a cappella que vous connaissez sans doute tous, puisque les paroles ont été composées la première fois au XVIIe siècle en Allemagne, dans la région du Harz, par le théologien Johann Anastasius Freilinghausen. Tommy, c'est à toi. Oh, happy day, oh, happy day, when Jesus washed, you know he washed, when Jesus washed, he washed our sins away. That happy day, oh happy day, oh happy day, when Jesus washed, you know he washed, when Jesus washed, hey, he washed our sins away. Yes, that happy day, he taught us how to watch and pray and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day, when Jesus washed, you know he washed, when Jesus washed, he washed our sins away. Yes, that happy day. Now he taught us how to watch and pray and live rejoicing every day. Oh, happy day. Oh, happy day. When Jesus washed, you know he washed. When Jesus washed, he washed our sins away. Oh, that happy day. Vous connaissiez
peut-être pas le compositeur, mais le chant, sûrement que vous le connaissiez. Mais on peut se poser la question, pour un culte du souvenir, où on se rappelle les personnes parties, qui nous ont quittés, est-ce pertinent de prendre un chant joyeux comme Happy Day? Eh bien, je pense que oui. Je pense d'abord que les personnes décédées, elles auraient souhaité que vous puissiez de nouveau vous réjouir, profiter de la vie, vous soutenir en famille et entre amis. La vie doit continuer avec toutes ses facettes, la tristesse compréhensible, mais aussi, je crois, la paix, la sérénité, la fête et la joie. Deuxièmement, ce chant n'évoque pas uniquement la joie et le bonheur, mais aussi la réalité complexe de la vie, puisque les péchés sont mentionnés, symptômes d'un monde imparfait. Mais le chant ne s'arrête justement pas à notre monde imparfait, injuste. Il continue en évoquant le pouvoir libérateur de Jésus qui lave les fautes au loin. Et la deuxième strophe reprend ces mêmes éléments. « He taught me how to wash, to fight and pray. » Il m'a montré comment lutter et prier, comment il m'a appris à vivre dans la joie. Oui, il l'a fait en se réjouissant, oui, tous les jours. Et peut-être une troisième raison, ce Happy Day. Un Happy Day, en ce jour du culte du souvenir, peut éventuellement nous faire penser aussi au jour de joie dans le ciel, le festin des noces de l'agneau. Jésus lui-même, en évoquant sa mort, a dit « Maintenant vous êtes triste, mais votre tristesse se changera en joie. » Je vous invite à la prière. Seigneur, en ce jour où ceux qui nous ont quittés vivent dans notre souvenir, nous te remercions pour tout ce qu'ils nous ont donné lorsqu'ils étaient avec nous. Notre chagrin montre qu'ils nous ont apporté chaleur, affection ou simple présence. Merci pour tout ce que nous avons vécu grâce à eux. Merci, notre Dieu, pour les bonheurs partagés et pour les chagrins consolés. Amen. Lecture dans l'Épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, les versets 19 à 28. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que, jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Seigneur, ta parole est vérité et liberté. Conduis-nous dans ton amour. Thank you.
Nous avons placé sur la table 22 petites bougies. Pourquoi 22? Parce que 22 personnes du village nous ont quittés depuis novembre passé. Je vais lire la liste des personnes du village qui nous ont quittés et pendant ce temps, Vérène va allumer chacune des petites bougies. Vous comprenez la protection des données. Pendant que je lirai cette liste, le son sera coupé. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alors maintenant, on peut de nouveau streamer avec le gospel When Israel was in Egypt's land. When Israel was in Egypt's land, let my people go. Oppressed so hard, they could not stand, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell old Pharaoh, let my people go. No more shall they in bondage stand. Let my people go. Let them come out of Egypt's land
Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell old Pharaoh, let my people go. The Lord told Moses what to do. Let my people go to lead the children of Israel through. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell old Pharaoh, let my people go. So let us all from bondage flee. Let my people go. And Jesus, he will set us free. Let my people go. So go down, Moses, way down in Egypt's land. Tell Pharaoh, let my people go. Chères familles, chers frères et sœurs, Steve Jobs, ancien patron de Apple, vous connaissez les ordinateurs Mac, les iPhones, il a dit une fois, c'était le 12 juin 2005, la mort est très probablement l'unique meilleure invention de la vie. Alors, est-ce qu'il avait raison ou pas de dire ça, que la mort est probablement la meilleure invention de la vie? Alors, je vous donne une réponse de Normand, oui et non, à mon avis. Je pense qu'il y a du vrai dans ce qu'il a dit, à savoir, premièrement, qu'il y a des aspects positifs de la mort. Lorsqu'une personne souffre et souffre beaucoup, et décède, on se console de son départ en disant qu'elle a été délivrée de ses souffrances, qu'elle ne souffre plus. Bien sûr, on préférait que la personne aimée soit encore en vie, et cela sans souffrir, mais on est bien obligé de se faire une raison. Indépendamment de nos croyances, si on croit ou pas qu'il y a quelque chose après la mort, on partage, je pense, cet avis, la personne ne souffre plus. Un deuxième aspect qui est perçu comme positif avec la mort, c'est que tout le monde y passe, riches et pauvres, Suisses et étrangers, Jurassiens et Bernois, Trump et Biden, Covid ou pas Covid. Même si les femmes, c'est vrai, en moyenne, ont une espérance de vie d'environ 4 ans de plus que les hommes. L'espérance de vie, ce n'est pas si simple, c'est le nombre moyen d'années qui reste à vivre au-delà d'un âge X, dans les conditions de mortalité par âge de l'année considérée. Mais vous savez ce que cela signifie. Eh bien, en 2019, l'espérance de vie des filles nées en 2019 était la plus haute pour les filles nées au Tessin, à savoir 86 années et demie, et la plus basse pour les garçons nés dans le canton de Glaris, à savoir 79,6 années. Ensuite, les hommes et les femmes mariés vivent en moyenne 4 à 5 ans de plus que ceux qui ne sont pas mariés. Donc, si vous souhaitez vivre longtemps, mariez-vous, allez habiter au Tessin, dans le canton de Zoug. Le canton où les hommes vivent le plus longtemps, c'est Zoug, les femmes, c'est le Tessin. C'est une petite nuance. Mais tout le monde meurt, c'est une évidence, un jour ou une nuit. Même si aujourd'hui, certaines personnes se font cryogéniser après la mort, c'est-à-dire refroidir leur corps dans de l'azote liquide en espérant que les progrès de la médecine pourront les réanimer dans le futur. Alors certains ne se font refroidir que la tête parce que c'est moins cher. Mais apparemment, parmi les adeptes de cette méthode, j'ai lu dans la revue Bilan, qui n'est pas n'importe quelle revue, qu'un chercheur de Google et membre du conseil d'administration du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, était un défenseur de la cryogénisation. Et puis le MIT est au premier rang des universités mondiales en 2020, 5 places devant le Poly de Zurich.
Et pas plus tard que hier, un prisonnier à vie civile m'a dit qu'il souhaitait la vie éternelle, qu'il économisait, ou plutôt qu'il essayait de faire l'argent avec la bourse pour avoir un montant de 200 000 francs et acheter un ordinateur. Alors, je n'ai pas compris tout de suite pourquoi acheter un ordinateur à ce prix. Mais en continuant de lire l'article dans la revue Bilan, il est écrit mot pour mot « Le transhumanisme prône une augmentation radicale de l'espérance de vie, voire la vie éternelle, que ce soit grâce aux progrès médicaux, en particulier dans le domaine du vieillissement, ou en téléchargeant l'esprit d'une personne dans un ordinateur. » Alors j'ai essayé gentiment de demander à ce prisonnier s'il pensait vraiment que c'est possible. Il m'a dit « Oui, je pourrais me promener n'importe où, même dans la mer. » Alors je lui ai dit « Moi je crois à la vie éternelle, mais en Dieu. » Et tout cela m'a fait penser à un autre prisonnier à Witzville qui m'a dit une fois « Entre la folie et le génie, la frontière est mince. » Alors oui, pour moi c'est une évidence, nous mourrons tous un jour, même les plus riches d'entre nous. Et l'égalité à ce niveau, dès notre naissance, nous sommes condamnés à mort. Même si je n'aime pas trop ce terme, je préfère destiné à vivre. Même si nous le savons, la mort fait partie de la vie. Steve Jobs, dans cette déclaration ou son discours, lorsqu'il parlait de la mort, lorsqu'il disait que c'est probablement l'unique meilleure invention de la vie, il développe un peu sa pensée en disant « Ce souvenant que je vais mourir bientôt est l'outil le plus important que j'ai jamais rencontré pour m'aider à faire le grand choix de la vie. » Parce que presque tout, toutes les attentes externes, toute fierté, toute crainte de l'embarras ou de l'échec, ces choses tombent devant le visage de la mort, ne laissant que ce qui est vraiment important. Ce souvenir, dit donc Steve Jobs, que vous allez mourir est le meilleur moyen que je connaisse pour éviter le piège de penser que vous avez quelque chose à perdre. Vous êtes déjà nu. Il n'y a aucune raison de ne pas suivre votre cœur. Alors, suivre le cœur, ça c'est une bonne chose. Là nous sommes, je pense, tous d'accord. Alors dans cette déclaration, dans ce discours, il nous incite ou nous invite à réfléchir à ce qui est important. Oui, la réalité de la mort dans l'humanité nous ouvre à la réflexion, au choix. Qu'est-ce qui compte en fin de compte de la vie? Qu'est-ce qui est vraiment important? Quel est le sens et le but de la vie? Quel est le sens de ce monde? On peut certes penser qu'il n'y a pas vraiment de sens ni de but. C'est vrai. Mais je crois que si certaines choses nous semblent dénuées de sens, c'est que quelque part au fond de nous, nous pensons ou nous croyons qu'il y a un sens quelque part. Si certaines choses nous semblent injustes, des enfants qui meurent, des pères ou des mères de famille ou d'autres tragédies, alors c'est que quelque part en nous, nous pensons qu'il y a quand même une justice. Sinon, nous ne remarquerions même pas que certaines choses semblent dénuées de sens ou non pas de justice. Je crois que quelque part au fond de nous, nous savons qu'il y a quelque part une vraie justice, un sens à la vie. Si rien n'avait de sens, on ne remarquerait pas que certaines choses ne semblent pas avoir de sens. Oui, derrière nos souffrances, nos cris, parfois nos révoltes face à la mort et à la vie, se cache, me semble-t-il, une espérance d'un monde meilleur, plus juste, plus parfait. C'est vrai qu'on est parfois comme des armées, impuissants, on n'a pas toujours les mots face à des tragédies qui nous arrivent. Alors je pense que la mort, comme beaucoup de choses dans la vie, a deux facettes. La tristesse normale, c'est normal d'être triste lorsqu'une personne aimée, qui nous a aimés, avec laquelle on a partagé des chemins de vie, nous quitte, c'est normal d'être triste. On ne peut plus revenir en arrière, mais on peut se souvenir des beaux moments passés ensemble, être reconnaissant pour tout le positif et les belles choses que la personne décédée a donné et partagé. Oui, regarder en arrière, se rappeler les belles choses, eh bien cela nous aide dans notre processus du deuil. Oui, même si les souvenirs aussi nous rappellent que la personne n'est plus à nos côtés de la même façon. Mais la vie continue, elle doit continuer. Elle ne sera plus exactement comme avant, avant le départ de l'être aimé, mais elle est là. Culte du souvenir, en plus en cette période troublée avec le Covid. Mais je crois que les personnes qui nous ont précédés
souhaiterait que nous ne soyons pas toujours tristes, mais que nous puissions retrouver la joie, la sérénité, la paix. Regarder en arrière, se souvenir des bons moments, mais aussi se poser la question. Immanquablement, elle se pose, mais est-ce qu'il y a quelque chose après la mort, un au-delà? Parfois, on me dit, jamais personne n'est revenu, on ne peut pas le savoir. Alors, en général, je réponds, bien, j'ai un avis un tout petit peu différent, car je crois, mais ça c'est ma conception personnelle, que Jésus-Christ, lui, est revenu de la mort. Pour moi, la mort et la résurrection du Christ est la clé de voûte de l'Évangile. L'Évangile, pour moi, est plus qu'un code de bonne conduite. Nous entrons bientôt dans la période de l'Avent, de Noël. Or, qu'est-ce que Noël que sinon la rencontre de Dieu et de l'humain, puisque Jésus-Christ est devenu comme nous, à la différence qu'il n'a jamais fauté. C'est le mystère de l'incarnation de Dieu en Jésus-Christ dans notre monde, cette rencontre entre le divin et l'humain. Oui, Jésus-Christ, en même temps Fils de l'homme et Fils de Dieu. C'est difficile à expliquer puisque c'est un mystère. Si nous pouvions l'expliquer de A à Z, ce ne serait plus un mystère. Mais je crois tout simplement que Dieu s'est abaissé jusqu'à nous, est devenu comme nous, a été tenté comme nous en Jésus-Christ. Et Dieu n'est pas venu enlever la souffrance, ni même l'expliquer, mais la partager. Dieu a confié le petit Jésus à des humains, à Marie et Joseph, qui ont dû l'amener en Égypte pour échapper aux soldats d'Hérode, venu tuer les petits garçons. Et finalement, il a souffert jusqu'à la croix, injustice aussi que celle-là. Jésus a tout donné par amour, même sa propre vie. Et donc, pour moi, cela nous ouvre à l'espérance, en face de la vie et de la mort. Je ne peux pas vous prouver que Jésus est ressuscité, je le crois, tout simplement. Et puis, je ne vous impose pas de croire, ou de croire comme moi, non. Vous devez trouver vous-même, non pas le chemin de Compostelle, de Genève, de Rome ou de Jérusalem, mais votre propre chemin dans la foi et dans la confiance. Et puis je m'associe à la théologie de l'apôtre Paul qui dit que Christ est le premier-né d'entre les morts, qu'il est ressuscité, par conséquent nous ressusciterons aussi. Nous savons que notre monde est imparfait, je ne vous le fais pas dire, en tout cas moi je suis imparfait. Vous, je ne sais pas, je ne vous connais pas assez, mais je sais que moi, je ne suis pas parfait. Nous rêvons d'un monde meilleur, plus juste, d'un monde sans souffrance ni malheur. Dans la conception de la Bible, la mort a été introduite dans l'humanité pour limiter les conséquences du mal, donc d'un monde soumis à l'injustice, au mal et à la mort. Et l'apôtre Paul, dans la lecture que nous avons entendue, il fait une comparaison. Il compare la situation actuelle du monde, qui est bien injuste, aux souffrances d'une femme qui va donner naissance à un enfant. Et il dit même que la création tout entière, donc pas seulement les êtres humains, mais la création tout entière, souffre les douleurs de l'enfantement. Est-ce que le Covid n'est pas aussi comme une douleur dans ce monde? Quelque chose qui nous peine, qui nous interroge, qui nous pose question? Oui. En tout cas, cela nous rappelle que le monde est bien imparfait, jusque dans les virus et autres choses. Et Paul, lui, il compare cela, cette situation actuelle, avec la gloire à venir. Je trouve que l'apôtre Paul est très réaliste. Il ne nie pas la souffrance, il ne nie pas l'injustice dans le monde. Cela fait partie d'une humanité. Il dit même que parfois on ne sait pas que prier et que c'est l'Esprit qui intercède, que Jésus prie pour nous. Lorsque parfois nous sommes dépourvus de paroles ou nous ne savons pas comment et que prier. Et il dit justement que Christ nous aide et intercède. Autrement dit, nous ne sommes pas seuls dans ce monde. Nous ne sommes pas abandonnés de tous, non. Nous avons certes notre famille, nos amis qui nous soutiennent et c'est un privilège, c'est une bonne chose. Mais nous avons aussi encore au-dessus de nos têtes, un peu plus loin, nous avons ce Dieu qui s'est manifesté en Jésus-Christ et qui nous accompagne. Alors oui, je peux dire que je suis en partie d'accord avec Steve Jobs que la mort est une invention avec des aspects aussi positifs parce qu'elle nous ouvre et nous rappelle un au-delà, un monde de vraie liberté, un monde parfait où il n'y aura selon l'Apocalypse plus de mal, plus de maladie, plus de mort, plus d'injustice. En somme, la mort nous rappelle et nous ramène à l'essentiel. Mais là où je ne suis pas du tout d'accord avec lui, c'est quand il dit que c'est la meilleure invention de la vie.
Pour moi, il y a encore une meilleure invention de la vie ou de Dieu, si vous voulez, c'est l'amour. Pour moi, ce n'est pas l'amour qui est la meilleure invention de la vie, c'est l'amour. Nous sommes tristes aujourd'hui parce que nous nous rappelons de l'amour partagé avec les personnes qui nous ont quittés, l'amour que nos êtres chers nous ont donné, l'amour qu'ils ont vécu et partagé. Mais nous sommes aussi reconnaissants que nous pouvons continuer à partager l'amour et à recevoir l'amour entre nous, mais aussi de Dieu. Et si on continue de lire dans le même chapitre 8 de l'Épître aux Romains, Paul y dit que rien, absolument rien, ne peut nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Il dit « J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. » Autrement dit, il nous rappelle que l'amour est plus fort que tout, que l'amour de Dieu est plus fort que même la mort. Voilà, à mon avis, notre espérance. La meilleure invention de la vie ou de Dieu, c'est donc l'amour. Et la mort, en quelque sorte, est une conséquence de cet amour de Dieu qui a voulu limiter le temps dans lequel nous vivons dans un monde imparfait. Oui, je crois que l'amour de Dieu est plus fort que tout, qu'il dépasse tout, et que cela nous ouvre à l'espérance, à la paix, et même à la joie dans un monde troublé. La mort fait partie de la vie, nous le savons, mais l'amour de Dieu dépasse et surpasse tout, même la mort. Voilà, je crois, notre espérance. Nous sommes tristes, et c'est normal, mais nous ne sommes pas sans espérance. Et les bougies, et la période de l'Avent et de Noël, la lumière qui est quand même là, eh bien cela nous rappelle que nous ne sommes pas tout seuls, qu'il y a quelqu'un qui est là, à qui nous pouvons nous confier et surtout qui veut nous accompagner jour et nuit. Amen. Thank you.
Je vous invite à la prière. Ô Christ, toi le maître charpentier, par les clous et le bois, tu as acheté l'entier de notre salut. Maintenant, dans l'atelier de l'univers, manie bien tes outils, pour que nous qui sommes arrivés, grossièrement taillés sur ton établi, nous y soyons façonnés par ta main, pour une beauté plus vraie. Nous te le demandons en ton propre nom. Seigneur, nous pensons à ceux qui sont au ciel, c'est-à-dire juste à côté. Que le souvenir se transforme en gratitude pour tout ce qu'ils nous ont donné lorsqu'ils étaient à nos côtés. Seigneur, nous pensons à ceux qui pleurent un départ, afin qu'ils soient entourés, reprennent goût à la vie et reçoivent ta paix maintenant et à tout jamais. Seigneur, nous te remettons ceux qui nous sont chers, mais aussi ceux qui nous côtoient ou que nous rencontrons, afin que ton amour les entoure et les porte chaque jour. Avec nos sœurs et frères de l'arrondissement du Jura, nous te prions en particulier ce dimanche pour la paroisse réformée de Renan, qu'elle soit renouvelée, à l'écoute et partage la bonne nouvelle. Nous te prions pour la compréhension, la paix, le respect, ici et dans le monde. Nous avons besoin de ton aide et de ton amour. Merci parce que tu es fidèle et tu ne nous abandonnes pas, mais tu nous accompagnes chaque jour et chaque nuit. Tu connais nos soucis et nos joies, et tu nous rappelles que nous sommes tous aimés de toi, d'un amour sans limite. Merci pour cela. Amen. The saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the bells begin to ring. Oh, when the bells begin to ring. Oh, I want to be in that number when the bells begin to ring. Oh, when the stars fall from the sky. Oh, when the stars fall from the sky. Oh, I want to be in that number when the stars fall from the sky. Oh, when the moon turns red with blood. Oh, when the moon turns red with blood. Oh, I want to be in that number when the moon turns red with blood. Oh, when the trumpet sounds its call. Oh, when the trumpet sounds its call. Oh, I want to be in that number when the trumpet sounds its call. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Oh, I want to be in that number when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. When the saints go marching in. Oh, I want to be in that number when the saints go marching in. Avant de terminer ce culte par la prière commune de notre Père, un dernier chant de gospel et la bénédiction, j'ai encore des annonces à vous faire. La collecte à la sortie, à gauche de la porte, est destinée à soutenir le travail d'évangélisation et sociale de Leia et Nicolas Girard à Arezzo, en Toscane. Leia est impliquée dans un travail d'aide et de conseil aux prostituées qui proviennent en grande partie d'Afrique et des pays de l'Est, pour les aider avec la Croix-Rouge italienne à les faire sortir de la rue. Nicolas, lui, est engagé dans un travail pastoral. Dimanche prochain, le premier dimanche de l'Avent,
Il y a une offre de culte en ligne sur le site www.refergouel.ch et aussi un culte ici au temple de Somval à 10h. La fête de Noël des enfants du 13 décembre à 17h est réservée s'il n'y a pas de changement pour l'instant aux enfants et leurs familles, vu que le canton a limité le nombre de participants à 15 personnes. Mais on filmera aussi le sketch et ce que les enfants feront afin que tout le monde puisse le regarder. Le conseil de paroisse se réunira ce jeudi et décidera comment sera organisé le culte de Noël. Il y aura quelque chose, c'est sûr, que ce soit en ligne ou autrement, ou les deux. Veuillez consulter la feuille d'avis et le site internet. Ce jeudi 26 novembre, il y aura aussi une assemblée de paroisse ici au temple à 20h, avec à l'ordre du jour le budget 2021, la nomination d'une nouvelle conseillère de paroisse et la réélection du conseil. En raison de la pandémie, nous ne pouvons pas aujourd'hui, malheureusement, vous offrir un apéritif, mais à défaut du verre de l'amitié, nous nous rappelons mutuellement notre amitié à chacun et à chacune. Merci à Tommy, Reynold, Yannick, et à vous qui êtes venus, et ceux qui ont suivi le culte sur le net. Et n'oubliez pas aussi de vous désinfecter également à la sortie, c'est plus prudent. Je vous invite à vous lever pour ceux qui le souhaitent peuvent s'associer à la prière du Notre Père. Seigneur, souviens-toi de nous dans ton règne. Apprends-nous toi-même à prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Vous pourrez aussi, à la sortie, consulter ou lire une prière ou pensée, et aussi, ceux qui le souhaitent, prendre une des prières avec vous. Nous entendons maintenant un dernier gospel, Amazing Grace, aux grâces stupéfiantes. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. The gracious did that grace appear. The hour I first believed, through many dangerous toils and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me saved thus far, and grace will lead me on. Amazing grace, how sweet the sound that saves a wretch like me. I once was lost,
Je vous invite à vous lever pour la bénédiction. Jésus dit, c'est ici mon commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Que la paix de Dieu, qui surpasse tout ce qu'on peut comprendre, garde vos cœurs et vos pensées avec le Christ Jésus, dans la paix, la confiance et la sérénité. Amen. Allez dans la paix du Christ. Thank you.
toutes ces musiques et le chant a fait vibrer vos cœurs, et bien que l'amour de Dieu fasse aussi vibrer vos cœurs et vous accompagne. Bonne journée à toutes et à tous.